Bonsoir, bonsoir Instagram. Je vous attends pour l'ouverture de la case numéro 2 de notre mini calendrier, une semaine en partenariat avec les Tissus by Domotex France. Je sais que vous êtes connectés, j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur les réseaux qui attendaient le début de cette vidéo. Coucou! J'attends que vous arriviez et on va ouvrir ensemble la deuxième enveloppe du jour numéro 2. Nous sommes le 2 décembre. Je vois vous arriver. Bonsoir à toutes, à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon jeudi? Alors moi, j'attends ce rendez-vous depuis ce matin. Je suis vraiment contente de vous retrouver et je voulais déjà commencer ce direct par vous remercier vraiment, vraiment pour tous vos commentaires adorables sur la case numéro 1. Ça m'a fait super plaisir. Mon Instagram s'est affolé. Je voyais des petits commentaires dans tous les sens. Franchement, ça fait super plaisir de vous voir autant content et contente et investie dans un événement. Donc, j'attends que vous arriviez. Coucou Elodie, hâte d'ouvrir l'enveloppe. Couture in progress, mais oui, mais moi aussi. Elles sont là. Alors oui, c'est à l'envers. Comme ça me permet ensuite de vous faire une photo à l'endroit. Et oui, j'ai pas le choix. Soit je suis à l'envers en live, soit je suis à l'envers sur ma photo. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Le tirage au sort est fait pour le premier winner, les trois. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai ma petite enveloppe numéro 1 et j'ai écrit le nom de la gagnante derrière. J'attends que vous arriviez tranquillement et ensuite je vous dis qui a gagné l'enveloppe numéro 1 et je vous rappellerai son contenu. Aujourd'hui, donc il y a les enveloppes. Bon, ça va, il en reste encore pas mal. Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'enveloppe numéro 2. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis cette information sur l'événement Facebook, mais pas sur Instagram. Si vous allez sur le blog blog.dodinette.com, dans les derniers articles publiés, vous allez voir, j'ai fait un bel article récapitulatif de cet événement. En attendant Noël, vous avez chaque jour le lien vers le replay pour jouer un petit détail du contenu de l'enveloppe. Et puis, je vais mettre aussi l'identité des gagnants et des gagnantes au fur et à mesure des tirages au sort. Donc, si vous avez un petit doute, vous ne savez pas, vous n'avez pas vu passer un résultat, etc., vous pouvez aller sur le blog blog.dodinette.com en temps réel. Je rajoute tout ça. Voilà. Alors, déjà. Ça va, vous êtes nombreuses et nombreux, c'est cool. Je pense qu'on va commencer. Vous êtes 161. Hier en replay, aujourd'hui en direct, au fil de l'eau, c'est parfait. Bonsoir. Lodanata, je ne sais jamais dire ton pseudo. Et d'ailleurs, je vois toutes tes stories qui sont super. Alors, merci beaucoup. Alors, coucou tout le monde. Hâte de voir l'enveloppe numéro 2. Création sac couture. Création sac couture, tu devrais aimer le patron du jour. Alors déjà, on commence par la gagnante de l'enveloppe numéro 1. Je vous rappelle son contenu, c'était l'enveloppe qui a été ouverte hier. Donc maintenant, ce n'est plus la peine de jouer sur le replay d'hier. Je vous l'indiquerai en petit commentaire après ce live. Donc, hier, salut Dindofouine. Hop, on va laisser ça. Du coup, hier, c'était ce très bel enduit qui était à gagner, d'accord? Un de mes chouchous et il y avait aussi, alors je répète, c'est à l'envers, c'est normal parce que je refais la photo à l'endroit aussi après. C'était la Lunchbox Lily. Donc, notre gagnante, j'ai tiré au sort avec un logiciel aléatoire, tadada, roulement de tambour. La gagnante s'appelle Nanou. Coup. Donc bravo Nanou, je vais faire une petite story après ce live où je vais te taguer, ne t'inquiète pas si tu n'es pas là, et comme ça tu auras l'information tout de suite comme quoi tu as gagné. Bah, félicitations, bravo, bravo, j'espère que tu vas aimer coudre ta lunchbox et dans ce très très beau tissu de Domotex, un tissu enduit. Voilà, comme ça vous savez tout pour le numéro 1, doudou, roulement de tambour au fil de l'eau, oui. Bonjour Récupé Couture qui nous rejoint. Alors, bravo à la gagnante. Bah oui, merci beaucoup les créas de Magali. Effectivement, bravo à la gagnante. Sandrine, je vais t'appeler comme ça, ce sera plus simple pour moi que ton pseudo. Lise Création qui dit bravo à la gagnante. Papier Couture Ciseaux nous rejoint, bienvenue. Félicitations Nanou et bravo. Alors, je répète l'identité de notre gagnante, c'est Nanou Kou. Voilà, bravo, bravo. Alors, ma petite enveloppe numéro 1, je la remets de côté. Je vais ranger tout son contenu pour me rappeler de ce qui a gagné Nanou quand même. Hop! Et on va ouvrir ensemble l'enveloppe numéro 2. Attention, attention. Donc, je tiens à dire que
J'ai préparé les enveloppes au début et je ne sais plus ce que j'ai mis dans quelle enveloppe. Donc, c'est une découverte aussi pour moi. Je ne sais pas trop d'avance ce qu'il y a dedans. Voilà, je sais les tissus qui me plaisaient. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est dans quelle enveloppe, avec quel patron? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Allez, c'est parti. On y va. Hop, enveloppe numéro 2. Nous sommes le 2 décembre et à partir de maintenant, bien sûr, les commentaires du début comptent aussi pour participer. Vous avez 24 heures pour tenter votre chance. Je vous rappelle les conditions. Commentez cette vidéo en direct ou en replay et pensez à vous abonner à ma page et celle de mon partenaire, la mienne, c'est Happy Dodinette, mon partenaire, le tissu by Domotex. Attention, c'est parti, tada! Enveloppe numéro 2. J'aime bien vous lire mon petit commentaire à de découvrir. Oui, moi aussi, attention! Salut Cassandre, nous rejoint Titel. Bienvenue Titel. Alors attention, on commence par quoi? Vous voulez d'abord savoir le tissu ou le patron? Dites-moi. Comme ça, c'est vous qui choisissez. Hello, hello Cassandre. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Est-ce que vous voulez voir le patron ou le tissu? J'attends votre réponse. Dites-moi tout. J'envoie les créatives. Croise les doigts. La maison pivoine, quel suspense. Alors dites-moi. Le tissu ou le patron? Oh, si vous répondez pas, je ferme l'enveloppe et je reviens demain. Lise Création a répondu patron. Trop tard, récupé couture. Elle a répondu avant toi, Lise. Alors, attention. Le patron du jour. Je répète, c'est écrit à l'envers. C'est normal. C'est pour ma photo après. Le Vanity Camille. Alors, c'est un modèle que vous aimez beaucoup. C'est un Vanity à coudes qui existe en plusieurs tailles. Il existe en 3 tailles. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion. Je répète, si vous l'avez déjà, bien sûr, je vous offrirai un bon d'achat et pas le patron que vous avez déjà. J'ai pas vu passer Marion. Bonjour Marion, ça va? Salut Mag, il y a des Lodi testeuses dans le coin. Donc le patron, voici le Vanity Camille aujourd'hui. Alors, quand je vous propose un patron, c'est souvent en lien avec le tissu. C'est-à-dire que le tissu, je l'ai aimé, j'ai flashé et ensuite je cherche un patron dans lequel j'aurais aimé coudre ce petit modèle. Attention! Maintenant, le tissu, roulement de tambour. Alors, c'est un tissu, il est unisex, il passe. Ça peut être pour tout le monde. Attention, je vous le montre. Tada! Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il était enfantin, en même temps féminin, en même temps, ça passe pour un homme aussi. Il est unisex. Donc, c'est ce modèle-ci et bien sûr, en enduit, hein, comme je vous disais hier. Et ça, je me disais, un petit Vanity Camille avec juste... soit l'intérieur, soit la petite poche extérieure, comme ça. Je pense que ce serait très joli, avec un joli simili. Il se marierait très, très bien. Il vous plaît? Ah, cool. J'adore. Lise, elle dit stop. L'atelier d'Indofouine, Vanessa, qui est tissu addict, elle aime aussi. Oh là là, je sens que ça va être une pépite, le tissu. Marion, mais je suis contente que ça te plaise. Canon, papier, couture, ciseaux. Brigitte, il est très joli, très beau, l'envolée créative. Il est stylé, a dit mon fils. Alors la maison pivoine, s'il a dit ça, c'est que c'est vrai parce qu'il est très très beau celui-ci. Donc voilà, l'enveloppe numéro 2, le tissu à gagner. Donc je répète que c'est 1 mètre par le lèse et le patron d'Odinette, le Vanity Camille ou un modèle au choix du même, enfin un bon d'achat du même montant si vous l'avez déjà. Voilà, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Merci, merci encore hein, pour tous vos commentaires d'hier. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et puis, je vous dis à demain pour l'enveloppe numéro 3 et peut-être vous annoncer que vous êtes la gagnante ou le gagnant de ce combiné. Joli tissu, le tissu by Domotex France et le patron du Vanity Camille. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez m'aider à qu'elle soit diffusée plus largement. Et bien sûr, plus les vidéos sont diffusées, plus je peux négocier par la suite de super cadeaux pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à demain. Pensez à commenter la vidéo. Et je vous ajoute tout de suite le nom de la gagnante de l'enveloppe numéro 1. Je répète, pour ne pas dire de bêtises, je relis. Nanoukou, j'ajoute tout de suite ton petit nom sur le blog et je fais une story pour te dire bravo. Merci, merci pour vos petits mots. Ça me fait hyper plaisir, ces petits rendez-vous quotidiens. Le matin, je me lève en me disant tiens, tiens, aujourd'hui j'ai live Instagram, ça me fait plaisir. Donc, je vous dis à demain, même lieu, même heure,
sur ma page Instagram. On a ouvert l'enveloppe 1 hier, l'enveloppe 2 aujourd'hui. Bonne chance pour cette enveloppe numéro 2. Hop, je vous remontre les tissus, le tissu, le patron, un petit combo qui va être très joli. Et je vous dis à demain pour la suite. Bonne soirée les cousettes, à bientôt !